Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve avec une vidéo un peu particulière. Oui, bon, on dit ça un peu souvent, mais... C'est la deuxième de cette... de ce genre sur notre chaîne parce que c'est tout simplement un partenariat. Okay, on dit ça de manière un peu genre... Non, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimaient pas trop les partenariats. Sachez qu'on accepte, on reçoit plein de demandes de partenariat, on accepte que ceux qui nous intriguent un petit peu et on n'est pas payé pour ça, c'est juste qu'on va recevoir quelques produits gratuitement. Si vous entendez une sirène, c'est normal, c'est son fils. C'est le site, vous en avez certainement entendu parler sur YouTube, le site Néjoli. Néjoli, ça ressemble de très près à AliExpress, sur lequel on peut retrouver vraiment diverses choses, que ce soit des accessoires, des choses pour les cheveux, du maquillage, ouais, un peu de tout, décoration, vêtements, je crois même. Ce qu'il faut savoir avec Néjoli, c'est qu'à la différence d'AliExpress, Néjoli a tous ses produits dans ses stocks à elle et c'est pas plusieurs marchands comme AliExpress, donc vous n'allez pas recevoir un paquet par-ci, un paquet par-là, avec 3 semaines de retard l'un, 2 semaines de retard l'autre. Vous allez recevoir tout en même temps. Je ne vous dis pas que vous allez tout recevoir. Oui. Parce que dans notre commande, il y a un produit qui manque. La livraison s'est fait plus ou moins, même pas du tout rapidement. Non, pas rapidement. Pas rapidement du tout, faut compter un mois. Ouais. Un mois et demi. Si vous avez de la chance, peut-être un peu moins. En termes de frais de port, alors si vous voulez un suivi de votre colis, ce qui est quand même assez recommandable, ça vous coûte 2,20€, sinon c'est gratuit. Donc nous, on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a commandé et on va vous dire ce qu'on en a pensé. On va pas faire de crash test dans cette vidéo parce qu'on voulait vraiment tester les produits pour vous en parler. C'est parti. Donc moi, j'ai reçu 3 produits. En fait, en tout, on en a commandé 7, on en a reçu que 6. Donc du coup, ça a été c'était un peu équivalent. Donc un premier produit pardon, que je voulais vous présenter, c'était celui-ci. C'est un rouge à lèvres, tout à fait banal, mat, un peu trop mat. Donc ça s'appelle Born Pretty. Dans un packaging mat, très sympa en fait. Enfin, c'est sympa, mais c'est très cheap. Très cheap, ouais. Mais donc voilà, c'est un espèce de prune vraiment très, très jolie. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'était parfait pour la saison automnale. Et comment vous dire que j'étais extrêmement déçue et pas des moindres. Comment vous décrire? On dirait de la cire, ça ne glisse pas du tout sur la peau. C'est comme si vous appliquiez un bâton de cire, de la bougie sur vos lèvres. C'est pas du tout couvrant. Il y a un passage, c'est pas régulier en fait. Ça marque toutes les petites ridules, toutes les petites peaux mortes, tout ça. C'est pas beau. Enfin, clairement, c'est pas beau. La couleur est vraiment très jolie. Ouais. Je trouvais que c'était parfait, mais par contre, l'application, c'est nada. C'est zéro. En plus, on a grave du mal à l'enlever. Bien sûr, je ne vous le recommande pas. Ce serait vous mentir. Donc, voilà pour le premier produit que je n'ai pas du tout aimé. En deuxième produit, c'est assez simple. J'ai pris un espèce de collier très, très joli, très simple, mais que j'aime énormément. Merci à toi. 1,22€ et croyez-moi, il est top. Il marque pas dans le coup. Pourtant, je le mets assez régulièrement et je l'adore. Enfin, vraiment, je le trouve super joli. Il a des petits détails. Je sais pas si on va voir. Un petit rond sur le côté. Puis le sautoir qui est juste là. Donc, vraiment très joli et pas cher. Donc, ça, j'aime beaucoup. La mouche, elle va dégager parce que sinon, je vais l'exploser. En troisième produit, j'avais un vernis à ongles thermique. C'est-à-dire qu'il réagissait... Il réagit à la chaleur de votre corps, en fait. À la chaleur de votre couleur. Et puis, température ambiante, température environnante. Et ça marche hyper bien. Je l'avais pris en vert. J'étais un peu déçue de la couleur parce que je ne m'attendais pas à cette couleur-là. C'est vraiment vert. Un vert caca. Vert caca, bien... Le caca que font les bébés. Ça, la couleur, j'ai pas vraiment adhéré, mais par contre, ça fait très bien le boulot. En fait, elle l'a pas là parce que vous allez bientôt peut-être voir le décor changer parce qu'il y a un projet de déménagement. Enfin, pas projet, sûr, je déménage ou je ne sais pas.
mais c'est sûr, je vais déménager. Ok, pour le prochain produit, j'ai voulu tester. Alors, j'ai les cheveux. Bon, là, je les ai coupés, hein, je sais pas si vous avez remarqué. J'avais les cheveux beaucoup plus longs et j'ai un gros problème. Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais j'ai les cheveux très raides. Quand je sors de la douche, mes cheveux sont raides comme ça. Et j'essaye par tous les moyens de me boucler les cheveux avec ou sans chaleur. Et j'ai voulu essayer ces espèces de petits bigoudis en mousse. Et en fait, ça se présente comme ça. On a juste à mettre une mèche de cheveux. Je vais y arriver, hop, une mèche de cheveux à l'intérieur, hop, on la tourne autour et le machin, le bigoudi, on le remonte jusqu'en haut, hop hop hop, et normalement ça tient tout seul et on doit le laisser un certain temps pour que ça boucle. Alors moi j'ai les cheveux extrêmement raides, difficile à boucler. La boucle, quand elle est là, elle tient 5 minutes. Par contre, prenez-en de l'eau parce qu'il n'y a que 6 bigoudis par lot en fait. Et pour faire toute la tête, c'est pas évident. L'idée est super sympa parce que vous n'utilisez pas de chaleur. Donc je vous les recommande si vous avez envie de les essayer. Le deuxième produit que j'ai voulu tester, comme Alexia, c'était un vernis thermique de cette couleur là, donc un petit rose super sympa qui était censé devenir rose foncé au contact du froid. Et en fait j'en ai mis une couche, alors déjà on la voyait quasiment pas, j'en ai mis une deuxième, c'était un petit peu mieux, une troisième. Et ainsi de suite en fait, la couleur n'est absolument pas du tout opaque. Et chose que j'ai été très déçue, c'est que c'est absolument pas thermique. Ça n'a pas changé de couleur, que ce soit sous le chaud, sous le froid. Donc j'ai été très déçue. Je sais pas s'ils se sont plantés sur le vernis en question, mais je suis plutôt déçue. Et le dernier produit que j'ai voulu tester, c'est ceci. C'est la nouvelle bague. j'avais envie de tester ça parce que c'est tout simplement un moyen de faire tenir votre bouteille de vernis pendant que vous êtes en train de vous vernir les ongles. On ne sait jamais comment tenir notre bouteille de vernis quand on se fait les ongles. Là, elle tient et on peut venir se faire les ongles sans que la bouteille bouge en fait. Et ça, par contre, ça a été une super découverte. J'ai trouvé ça super génial. Vous avez juste à la mettre sur votre main et puis vous venez faire vos ongles pendant que votre vernis se tient fermement là-dessus. C'est en silicone, c'est complètement voilà, hein. Moi j'ai adoré ce petit objet là et je le garde avec mes vernis à côté. C'est super pratique pour pas en mettre partout. On a aussi pour vous, on a demandé avoir un petit code promo qui vous permettrait de, voilà, d'amoindrir un peu le montant de votre panier. Donc on vous invite à aller sur le site Néjoli, à faire un petit tour pour regarder et dites-nous vous si vous avez déjà commandé sur Néjoli ou si vous préférez AliExpress ou Amazon. Moi je suis assez tentée de refaire une commande chez eux pour voir d'autres choses parce que on a été un peu déçus sur certains produits, mais j'aime pas m'arrêter sur du négatif. J'aime bien, parce qu'il y a des choses on a été assez agréablement surprises. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire pour nous donner votre avis sur la vidéo. Et puis si vous avez déjà testé. Et puis bah nous sur ce, on fait plein de gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.